En République démocratique du Congo, il y a une femme qui a fait l'impossible. Appelez-moi Francine ou Gisèle. Avant d'en dire plus, je suis une dame qui a épousé deux maris. Oui, vous avez bien entendu. Cette femme a deux maris et ils vivent tous dans la même maison. Ce n'est généralement pas la culture des habitants de cette région et de ce pays en général. Alors, qu'est-il arrivé à Gisèle? Ou voulait-elle apporter de la créativité dans ce domaine où elle vit? Ou peut-être a-t-elle envoûté ses hommes? Je m'appelle Rémi Mouroula, cette femme est la femme de nous deux. Je m'appelle Albert Gerlas, j'ai eu un enfant avec elle, bien que lorsque je l'ai rencontrée, elle avait deux enfants et vivait avec eux. Rémi Mouroula et Albert Gerlas sont maintenant des amis proches. Jusqu'à présent, il semble qu'ils partagent tout à partir de la maison dans laquelle ils vivent, le lit dans lequel ils dorment, jusqu'à la femme qu'ils partagent tous, qui est Francine. Il s'agit d'un phénomène très rare appelé polyandrie. C'est quand une femme épouse plus d'un homme et vit avec eux dans la même maison. Il reste maintenant pratiqué dans les hautes montagnes de l'Himalaya en Asie, dans ces montagnes rejointes par de nombreux pays, dont l'Inde, le Népal et la Chine. Il y a une province appelée Tibet, gouvernée par la Chine. Elle est largement acceptée et pratiquée dans leur culture. Maintenant, nous nous dirigeons vers le Congo dans le territoire de Kabari. Chaque fois que je voyage dans ce pays, je n'ai aucun doute que j'entendrai ce que mes oreilles n'ont jamais entendu, que je verrai ce que mes yeux n'ont jamais vu. Nous nous rencontrerons face à face avec Francine et ses deux maris. Voyons ce qui a fait que ces hommes sont d'accord avec la polyandrie. Que disent leurs familles à ce sujet et comment gèrent-ils en ce qui concerne le temps d'intimité? Maintenant, rencontrez la femme qui a épousé deux hommes. Je m'appelle Francine, alias Gisèle, et j'ai deux maris. La première fois que j'ai épousé un homme, si je me souviens bien, c'était il y a 6 ans. Et avec cet homme, nous avons eu 2 enfants. Nous vivions bien, sans aucun problème. Juste parce que la vie n'était pas facile, l'homme est parti en voyage et n'est pas revenu. Alors je me suis retrouvée toute seule. J'ai passé 3 ans et demi dans une vie célibataire sans mon mari. Après ces années, je l'ai perdu, puis je suis tombée amoureuse de cet autre homme et nous nous sommes mariés. Après 1 an, alors que j'étais avec le deuxième mari, le premier mari est revenu. Après tout ce temps, je ne savais pas où il était passé. J'ai rencontré cette femme quand je travaillais dans l'industrie minière, puis nous sommes tombés amoureux et avons fini par vivre ensemble. Après notre mariage, elle a commencé à me dire comment elle avait un autre mari et comment cet homme l'avait laissée en disant qu'il allait trouver une vie. J'ai senti que je n'avais pas le choix parce que nous étions déjà ensemble depuis que j'avais vécu avec elle sans savoir qu'elle avait déjà un autre homme. Plus tard, son premier mari est revenu d'où il était allé. Quand il est arrivé, il s'est battu pour que je quitte sa femme. Aussi, la femme a demandé de ne pas la quitter. Alors j'ai senti qu'il était nécessaire de rester avec elle. Nous sommes 3 ici et nous nous entendons bien. Cette femme est notre femme comme nous sommes 2 hommes. C'est moi qui l'ai épousée en premier. Mais après notre mariage, je suis allé loin pour trouver une vie pendant 3 ans et demi. Depuis que je suis parti, je suis revenu sans parler à ma femme une seule fois. Quand je suis revenu, j'ai trouvé ma femme avec un autre homme. Dès que je suis rentré à la maison et que j'ai trouvé ma femme couchée avec un autre homme, j'ai immédiatement demandé « Cet homme qui dort ici, est-il votre frère? Un invité? Qui est-il ?» Elle a répondu qu'il était mon mari. Au début, j'ai fait une crise de colère, mais ensuite j'y ai pensé et j'ai réalisé que c'était de ma faute. Parce que si j'avais parlé à ma femme, elle n'aurait rien fait de tel. Alors quand je suis devenu agité, j'ai approché mon partenaire et je lui ai demandé de quitter ma maison. Et il m'a dit qu'il n'avait nulle part ailleurs où aller.
J'ai donc réalisé que je n'avais rien d'autre à faire à ce sujet. Nous vivions dans une maison en tant que deux maris, une femme et trois enfants. Nous mangeons à la même table. Quand je vais quelque part et que je trouve quelque chose, je l'apporte et je le donne à ma femme. Mon partenaire fait aussi la même chose. Puis elle cuisine, nous mangeons. Quand il est rentré à la maison, il a fait du bruit. Alors je lui ai dit qu'il était trop tard pour revenir d'où il était parti. Heureusement, plus tard, il a compris.